Salut à toutes et à tous, c'est Koenski, on poursuit la partie avec l'Arabie sur Civilization 6. On va commencer par aller voir ce que Tomiris fait avec ce bélier ici, ça me paraît un peu douteux honnêtement. Un peu étrange. J'ai toujours ma vigie ici, on va la laisser. Notre colon, on va le grouper avec son escorte pour plus tard. Toi, tu vas continuer à aller explorer un petit peu les environs de notre future ville, si on arrive à prendre cet endroit-là, bien sûr. Et on va maintenant changer de gouvernement. Alors, j'ai été voir Tomiris et Frédéric. Frédéric Barberousse n'a pas de gouvernement encore, il est en chefferie, donc on ne peut pas s'aligner sur lui pour avoir un bonus de relation. Par contre, Tomiris, elle, est en oligarchie. Voilà, c'est une carte de chaque, donc c'est pas trop dérangeant au niveau des cartes, ça me paraît même bien. Puissance de combat supplémentaire et plus d'expérience pour les unités militaires. On n'est pas en guerre, ce sera peut-être pas super utile. Mais ici, c'est un bonus, évidemment, qui va se léguer pour la suite. Tout ce qui sera supplémentaire au 20%, donc ce sera utile tout le jeu après, donc pourquoi pas. Prenons l'oligarchie et venons voir comment cela va affecter notre relation avec Tomiris. On verra ça au tour prochain, peut-être. Alors, au niveau des cartes. Au niveau des cartes, avant de changer, je vais aller voir ce qu'on va faire ici. Ceci, pas besoin pour l'instant. Je vais aller vers la dramaturgie et poésie, mais avant, j'aimerais bien prendre le mysticisme quand même. Parce qu'il y a des cartes intéressantes, point de savant illustre ou point de prophète illustre, c'est pas mal. Deux tours, donc on y sera très très vite. Et si on y est très très vite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau des cartes... Au niveau des cartes, je ne dois pas... je peux mettre des cartes qui ne seront pas actives très longtemps. Par exemple, regardez, je voulais... refaire des bâtisseurs, je vous expliquerai pourquoi après. Je vais pas mettre la carte maintenant parce qu'on pourra pas commencer tout de suite la production, mais dans deux tours bien. Donc je vais laisser une autre carte, par exemple. Par exemple. Ceci. Alors, faites glisser la doctrine désirée ici. On va prendre plutôt deux points d'influence par tour pour l'obtention de nouveaux émissaires. Parce qu'on va sûrement travailler dans des cités-états que l'on a déjà investis de nos émissaires. Et d'ailleurs, je vais en avoir un gratuit avec la doctrine dans deux tours. Donc, on en aura au moins un déjà. Ça ne sert à rien de prendre ceci, je pense. Alors, à la place de ceci, on va mettre ça temporairement avant de commencer à refaire d'autres unités. Et ici, probablement, un peu de production en plus, ça ne peut pas faire de mal. Ok. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle quête? Recruter un écrivain illustre, une inspiration pour la théologie, former une quadrirem, complexe de loisirs, et là, une route commerciale, c'est toujours faisable. Je veux dire, c'est toujours utile, mais voilà, on est trop loin, c'est pas faisable. Pas tout de suite. Ok, tour suivant. Je vois que nous partageons les mêmes idées, j'approuve votre politique gouvernementale. Ouais, t'irais mettre une chemise et puis tu reviendras. Alors, on va... Allez voir, est-ce que le tour est vraiment passé ici? Pas l'impression. On va poursuivre vers le nord. Ici aussi, j'aimerais bien voir les cases qui sont là avant d'être sûr de m'installer ici. Alors, Tomiris. Nous est toujours hostile, on a un bonus de plus 2 seulement pour cause de gouvernement identique. Ouais, c'est pas top top, mais ça nous permet de remonter à plus 10, alors qu'on est à moins 11. Ah ah, on est encore en négatif. Ça risque d'être compliqué avec elle, vraiment. Vraiment, vraiment compliqué. Mysticisme, c'est méprendre un symbole accident. Votre Altesse, ça c'est bien. Un émissaire est à votre disposition. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les prophètes illustres, je pense. On va aller voir, mais... Donc en termes de religion, il y en a combien déjà créé? L'islam a déjà été créé. Par la Grèce, je pense. Il y a 5 religions au total. Ça veut dire que 3 autres civilisations peuvent encore faire un prophète illustre et puis je l'aurai automatiquement. Donc soit je peux aller plus vite que les 3, qu'une des 3. Soit non, là c'est déjà 52 avec 4 par tour, 39 avec 2 par tour, et 17 avec 2 par tour, donc je pense qu'on sera
À la limite, on pourrait se battre, mais ça ne servirait vraiment à rien qu'à part perdre du temps en produisant des points de prophètes illustres. J'en ai pas besoin. On va attendre qu'ils aient terminé, que ces deux-là aient terminé. Que ces trois-là aient terminé plutôt, et puis on aura le dernier prophète. Ce sera très bien comme ça, et je perds pas du temps avec les points de prophètes. Donc ça me convient. Qu'est-ce que je vais dire? On va prendre les savants illustres. 2 points par tour quand même. Et on sera bien comme ça, je pense. Sauf qu'ici, je dois remettre maintenant... On va mettre ceci, puisque je veux faire des bâtisseurs. Ça, on va laisser. Ok, excellent. Alors, en tant que le dogme, j'avais dit qu'on prendrait la dramaturgie et poésie. On le fera. Construire une merveille, à mon avis, je le ferai pas. C'est que 10 tours. On perd pas trop de temps, mais j'aimerais bien pouvoir faire quand même un premier quartier du théâtre assez vite. Alors, le Caire, bien, on va faire le bâtisseur. Notez que j'aimerais bien avoir encore un explorateur aussi. Avec 2, j'ai pas eu du tout assez, en fait. Vraiment pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Assez lourd, on en a déjà 2. En passant à 3, on pourrait avoir science plus 2 pour chaque campus. J'ai pas de campus encore. Un Eureka aléatoire dédié pour chaque nouvelle ère entamée. Ça me paraît pas si génial. Erevan, c'est la foi. Alors, ce qui me plairait bien, c'est celle-ci, toujours, ou alors celle-là, pour la culture, mais j'aimerais bien commencer par la production. Donc, Hong Kong. Production plus 20% pour tous les projets, ouais. Et Bruxelles. Production plus 15% pour la construction de merveilles dans vos villes. Il y a un moment donné, je voudrais faire pas mal de merveilles pour la culture. Donc, ça pourrait être pas mal des suzerains de Bruxelles. On va y travailler. Tour suivant. Donc on voulait se mettre ici pour avoir le fer pas trop loin. Je pourrais acheter les cases pour y arriver. Mais si je trouve mieux à l'est que ces deux blés à l'ouest, on décalera vers l'est. C'est avoir peu de désir. Alors, le marché plus d'or, un point de marchand illustre par tour, la plateforme commerciale me donne plus 1 de route commerciale. Et alors, on a évidemment l'adjacence des rivières qui est très importante, et éventuellement l'adjacence du port. Bien, en termes de technologie, on est vraiment pas mal, on a plein de choses à faire et à construire. Donc je m'inquiète pas trop, on va faire des choses plutôt qui sont déjà boostées, je pense. La maçonnerie, j'en ai besoin pour un boost, je pense. On va vérifier. C'est la maçonnerie ou bien autre chose. Mais de toute manière, j'aimerais quand même bien faire des remparts antiques à un moment donné. Où est le boost? Découvrir la construction plutôt. On aura besoin de découvrir la construction à un moment donné. Et c'est dans la suite donc. Ouais. Faisons la maçonnerie. Bon, je me suis inquiété pour rien, il n'y a pas d'armée Sith dans le coin. C'est tant mieux. Votre Altesse, nous commençons. Plus nous construisons de quartiers... Donc je laisse les conseils de la conseillère. Pourquoi? Parce que quand j'arriverai plus loin dans le jeu et que je jouerai donc plus spécifiquement la culture, il y aura peut-être des choses qui vont m'intéresser parce que j'avais vraiment pas tout fait. Notamment les parcs nationaux, ce genre de choses, j'avais pas fait dans la partie précédente ni dans la première. Bon, apparemment il n'y a personne ici. On va revenir. Construisez un lieu sain, ça va se faire. Ok, on a notre bâtisseur. Alors qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien avoir un éclaireur. Ça ne prend que 2 tours et on pourra le lancer vers le nord-est. On sait jamais, il y aura peut-être encore une petite hutte ou l'autre qui serait là.
Je pense qu'on va le faire tout de suite. Je sais que j'avais dit que je ferais un campus très très vite, mais on, vous inquiétez pas, on le fera. On le fera. Alors je sais pas si... quand on construit quelque chose sur un marais, est-ce que j'ai intérêt à exploiter le marais avant pour en tirer la nourriture ou pas? Ou est-ce que quand on va poser le quartier dessus, on va avoir la nourriture automatiquement? Je suis pas sûr, j'ai jamais fait attention à ça, tiens. Mais là, je vais envoyer ce type vers le sud, donc... je ne vais pas le tester. Alors là, c'est colline, et ici, c'est plaine. Donc on va plutôt défricher la colline pour faire éventuellement une mine plus tard. J'ai pas passé, hein. Mais j'y vois suffisamment clair que pour me dire que je vais quand même me mettre là. Le blé sera vraiment super intéressant. Alors, je vais pouvoir regarder ce tour-ci. Ok. Alors là c'est du désert donc ça m'intéresse de toute façon pas tellement. Cette case-là je la veux, celle-ci je veux le faire donc... 1, 2, 3, donc oui c'est ici que je dois mettre clairement. Ce sera pas une ville côtière, mais si je veux être... je pourrais me mettre là pour avoir une ville côtière, avoir le boost, mais ça n'a pas tellement d'importance. Le boost, il est vraiment... je veux dire, ça ne sert plus à rien maintenant d'avoir le boost pour ceci. Je suis quand même qu'à 5 tours. Donc on va se mettre là où c'est le mieux, ici. Est-ce que c'est vraiment le mieux, finalement? Attendez. On va gaspiller, entre guillemets, une plaine inondable, maintenant il y en a plein d'autres, donc c'est pas trop grave. Je veux dire, je pourrais vouloir me mettre là par exemple, 1, 2, 3, mais du coup on n'a pas le blé qui est là. Non, je vais plutôt me mettre ici, on est vraiment bien. Allez, faisons ça. J'aimerais bien qu'il arrête de m'afficher ceci à chaque tour. Moctezuma a déclaré la guerre à Atuza. Alors mon problème avec Bruxelles, votre c'est grâce, que j'ai peur que... nous avons acquis de plus grandes connaissances en matière de construction de fortifications. Chacun d'entre j'ai peur nous que les Aztèques s'en prennent à Bruxelles. Érige une colonne ou découpe un morceau de vertin dans la construction de quelque chose bien... ça ne m'étonnerait pas d'eux. Et du coup mes efforts seraient anéantis. Alors que Hong Kong, je pourrais la défendre plus facilement. Maintenant j'ai commencé, donc je pense que je vais continuer. On en a déjà mis deux. Au pire des cas, on déclarera la guerre aux Aztèques, mais... ouais, on verra. On verra comment ça va tourner, mais... j'ai pas pensé à ça. Alors, la construction. Pour la booster, il me faudrait pouvoir faire un moulin à eau, ce que je pourrais faire dans une ville. L'équitation. J'ai pas encore créé ma ville à l'ouest pour avoir les chevaux. Le travail du fer, j'ai pas de fer. Petra, je vais sans doute jamais la faire ici. L'ingénierie, je pourrais la faire assez facilement, mais ça me rapporte rien qui m'est très très utile pour l'instant. Toutes mes villes sont équipées en eau potable. Alors, faisons la roue alors pour éventuellement faire un moulin à eau quand même. C'est 8 tours. Alors, on a encore 5 tours pour faire un bâtisseur à moindre coût. Je vais en faire un deuxième. Tu vas aller par là, explorer. Et tu feras ceci aussi pour... ouais, on va vraiment essayer d'explorer tout ce qu'on n'a pas exploré tout près de chez nous. Donc c'est parti, je ne me trompe pas, on est vraiment bien ici. Voilà, on est bien. On est pas mal. Bon, évidemment, il y a du désert. Mais il y a quand même des cases aussi vachement intéressantes. Donc je pense que ça, on sera bien là. Et puis il me faut le faire. On a une 2-1, on a 2-3. Donc on peut se débrouiller ici. Sans devoir forcément acheter de cases tout de suite. Maintenant, si j'achetais ici la 4... de toute façon, acheter des cases... je veux acheter également la case de fer probablement. J'ai une case 4 là. Donc en achetant juste cette case-ci, je booste déjà un peu mon départ.
Et je pense que je vais garder l'argent ensuite pour m'acheter un bâtisseur ici directement, plutôt que de le faire venir de loin. Et ce sera le bâtisseur là que je vais acheter qui fera les améliorations de cases autour de Bagdad. Ok, à Bagdad, on va faire le monument pour commencer. Pour la culture et augmenter les frontières. Toi, tu vas explorer un petit peu vers l'est également. Attention à ça, on va envoyer des troupes. On va envoyer ces deux-là sans doute le détruire, ce camp. Alors ici, j'ai pas encore pris cela non plus, donc faudra le faire, mais là je veux vraiment booster le lieu saint. On va gagner un petit peu de temps en le dégommant. Alors Alep, on utilise la case, mais est-ce qu'il y en a d'autres? On fera une mine à la place, je pense, directement après pour récupérer. Alors on passe de 8 tours à 4 tours quand même en un seul coup, c'est pas mal. Ensuite on va faire une mine ici, et ensuite on va exploiter ces teintures. Notez que les vignes, les teintures on en a déjà, alors que des vignes on en a pas encore, je pense, comme ressources. On va aller voir les rapports, mais comme ressources de luxe, effectivement on a déjà les teintures et pas les vignes. Donc on change les plans légèrement. Ça ne change pas grand chose. Dans 3 tours, dans 2 tours la dramaturgie, dans 4 tours la roue. Voilà déjà le deuxième bâtisseur. Dans 2 tours on arrête avec les bâtisseurs. Je vais pas en faire un supplémentaire. On va switcher. On va switcher pour le campus, hein, on va le faire. Et on va tester le fait, est-ce que je vais avoir la nourriture ou pas. Je crois qu'on l'aura probablement pas, mais c'est pas un drame. Donc plus 3, j'avais dit que je le ferai ici. Sans aucun doute. Voilà, on n'a pas eu le boost de nourriture. Ok. Mais c'est pas grave, au moins bah, je garde ma charge de bâtisseur. On va pas recharger pour ça bien sûr. Voilà les cases qui sont exploitées. Je pourrais ici améliorer l'élevage pour avoir une case 3-1, ce serait plus ou moins équivalent. Ou alors, j'achète cette case pour pouvoir couper la... Je pourrais aussi couper le bois ici éventuellement. Pour faire une mine à la place ici. Ou alors j'achète ici pour pouvoir avoir une vigne encore en plus et revendre la deuxième. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Je regarde un petit peu l'équilibre. Je pense qu'on est bon au niveau de la nourriture. On est à plus 4,5. Mais il faudra commencer à faire quand même peut-être également des... En fait, c'est pas mal cette case. C'est quand même 3-1. Je vais sûrement l'exploiter de toute façon. Donc on va l'acheter. 115. Ouais. 115, j'y vais tout de suite. Allez, il la prend. Alors, nouvel émissaire. On va continuer sur Bruxelles. On va avoir donc encore plus 2 pour les bâtiments, merveilles et quartiers dans... Pas dans la capitale d'ailleurs, partout du coup. On confirme. Alors ici on va faire la mine. Ich verstore meine Feinde. Und ob ihnen eh oui, c'était évident. Hein. On commence à avoir des émissaires en série et ça lui plaît pas. J'espère qu'on va quand même pouvoir rester alliés, mais c'est pas sûr du tout. Enfin, alliés, on n'est pas alliés, on est amis. Moins 5, c'est pas encore dramatique. Il est content quand je tape sur les barbares. On va continuer. Je l'enverrai également sans doute une... Comment dire, une... Je vérifie qu'il n'y a pas de barbares à l'ouest. Une route commerciale. Alors ici, on va aller voir là-bas au nord. D'accord, je pense que la city doit être en guerre avec Preslav probablement.
Je rêverai pas à temps au camp barbare, je pense. Non, j'arrive pas à détruire le camp, alors ça sert à rien de s'éloigner plus. Et toi, tu peux venir explorer par ici, pourquoi pas. Ok, on va aller prendre la vigne qui se trouve là, on en aura deux. Je vais... Alors, il me reste combien de charges? Une seule, ok. Est-ce que j'ai mieux à faire? Pas vraiment. C'est quoi ça? L'amitié qui vous lie à Frédéric Barbarousse a pris fin d'être renouvelée. J'espère qu'on a intérêt à le faire. Faut pas oublier de le faire parce que ça fait partie des boosts. Donc le fait de... Ça entretient un peu lui-même. Elle-même plutôt l'amitié. Donc si on oublie de le faire, ça va descendre et on finira par plus réussir à être amis. Donc attention. Le monde entier est un théâtre. Et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Alors amphithéâtre, plus 2 en culture. Ouais. Faut que je m'habitue à rejouer un petit peu culture. Je vais devoir refaire quelques unités, mais pas tout de suite. Faut que je me développe un petit peu. On va laisser ceci. Ça, on va évidemment enlever. Je vais probablement faire un colon assez vite, mais pas tout de suite, parce que je dois finir mon campus. Ça, on laisse et ça, on laisse pour l'instant. Les points d'écrivain illustre, on pourrait peut-être faire des points d'écrivain illustre quand même, on joue la culture. Donc on va tester un petit peu ceci. Et là on va mettre... Y a rien qui m'intéresse tant que ça. Mettons ceci, plus de production. Alors j'aurais bien voulu faire ceci. Le boost m'intéresserait quand même sur 9 tours, la moitié au moins, ce serait quand même bien. On dit une religion, construisez 2 campus. On va terminer ceci. Voilà la première unité de vigne et je pense que c'est ma première. Oui. Et je vais en faire une deuxième donc de l'autre côté. Ici. Alors faut pas que j'oublie que j'avais dit que j'achèterais un bâtisseur ici directement. Ce qu'on va faire. Ouh, j'ai changé la construction plutôt. Je faisais... Tiens, il veut plus que je fasse un... Attendez, je suis revenu sur Alep ici. Bagdad. Voilà, monument 16. Et par contre, je vais voir pour acheter. Voilà. Un bâtisseur 280 d'or. Ok. On y est presque. À Alep. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà, on a fait ceci. L'hôtel dedans me permettrait d'avoir plus de 2 en foi. Encore plus 1 point de prophète illustre par tour. Même si ça, ça m'inquiète pas trop, on l'a vu. On va attendre d'avoir la religion gratuite, entre guillemets. Le grenier serait utile. Je crois qu'on va commencer ici par un grenier maintenant. Ok, alors on a 2 unités de vignes, donc on va aller voir avec qui on pourrait commercer. Toujours en essayant de favoriser les alliés, ou pseudo-alliés, ou futurs alliés, j'espère. 8 par tour pendant 30 tours, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout, je vais accepter d'emblée. On a terminé une quête pour une cité-état. Mais elle tourne quand même.
Donc le moulin à eau, c'était pour booster la construction, je pense, donc il faudrait que j'en fasse un. Sans vouloir la valeur des connaissances militaires, si les hommes font la guerre en respect... Alors avant de faire ça, je vais aller voir ce que je vais faire dans les villes. Dans 3 tours, j'aurai fini le campus, je pourrais peut-être faire un dernier colon pour le moment et le placer ici pour avoir des chevaux. Avec chevaux et fer, je serai bien pour le milieu de partie, pour les unités. Aïe aïe aïe. Ça fait un peu peur là. Je vais reculer mon unité. Je crois qu'il est temps de refaire quelques unités militaires. En priorité. Donc on va faire ceci. Je pourrais avoir production plus 50% pour les colons en même temps, mais c'est un petit peu... ça ne se combine pas bien, donc on va plutôt prendre... Je pourrais prendre un peu de foie et d'or, pourquoi pas. Ça, on va laisser. Et ici, on va garder écrivain illustre. Ça me paraît bien. Confirmons, d'ailleurs, j'ai pas été voir ce qu'il va faire, le premier écrivain illustre. Ils font tous la même chose, je pense, hein. C'est-à-dire produire des chefs-d'œuvre littéraires. De toute façon, on l'aura pas le premier, hein, donc faudra... attendez. Écrivain. Ouais, on l'aura probablement pas, mais on aura peut-être le suivant. Donc, la construction qui m'intéressait ici. Construire un moulin à eau, c'est relativement faisable, mais... Peut-être pas tout de suite, je dois faire des unités. L'équitation est boostée, mais je vais pas pouvoir en faire grand chose. Les mathématiques, la mine de fer. Je vais faire des choses qui vont vite et que je devrais de toute façon faire à un moment donné. Choisir dogme. La construction, je suis pas sûr... que je vais pouvoir booster ce truc-là. C'est quand même que 9 tours entre guillemets, c'est pas trop grave. Ce serait bien de pouvoir faire quand même ceci, mais c'est pas non plus obligatoire. Allons là-dessus. Alors il me reste une charge. Ok, tout va bien, je vais, avant d'oublier, parce que j'ai l'impression que j'ai encore oublié, on va acheter un bâtisseur, ce sera super utile. J'aurais pu le faire un ou deux tours avant. Et on va se quitter ici sur cette action, j'espère que ça vous a plu. Une vidéo où j'étais un petit peu plus circonspect, parce qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Et attention à Tomiris, là vraiment, elle m'inquiète vraiment, je lui ai donné le libre passage, était-ce vraiment la meilleure des idées? J'en suis plus trop sûr. On verra ça ensemble dans la prochaine vidéo. Salut à tous.